Je bénirai l'Éternel en tout temps. Ses louanges seront toujours dans ma bouche. Ou jan m konnen ou gen problèm? Et puis ke ou kontan kon sa? Ah, m pa kache di ou. Depi m komanse li bib mwen chak jou a, m santi chaj problèm mwen yo soti sou dom. Si se kon sa, mwen pou al kouvri achete yon bib. Degaje ou manche. Men, an atandan, ou katan de Radio Télévision d'Espoir? Radio Vision d'Espoir? Oh, mwen te tande yon anons kon sa, oui. Men ki sa se a te di? Lecture de la Bible en un an. Une émission qui vous accompagne à la découverte des trésors cachés de la parole de Dieu sur Radio Télé Vision d'Espoir. Chaque jour, de 11h à 11h30 du matin, excepté mercredi, 5h30, 6h de l'après-midi, samedi, 7h30, 8h du matin, avec les sœurs Chantal Saint-Hubert, Claude Louis Orisma et votre servante Madeleine Maurice Hilaire. Saint-Esprit de Dieu, fais-nous la grâce de jouir de ta présence durant cette lecture qui enseigne, convainc, corrige, instruit et qui sauve. Au nom de Jésus, amen. Josué chapitre 2. Les deux espions à Jéricho. Josué, fils de Nun, fit partir secrètement de Sittim deux espions en leur disant: allez, examinez le pays et en particulier Jéricho. Ils partirent et ils arrivèrent dans la maison d'une prostituée qui se nommait Rahab, et ils y couchèrent. On dit au roi de Jéricho: voici, des hommes d'entre les enfants d'Israël sont arrivés ici cette nuit pour explorer le pays. Le roi de Jéricho envoya dire à Rahab: fais sortir les hommes qui sont venus chez toi, qui sont entrés dans ta maison, car c'est pour explorer tout le pays qu'ils sont venus. La femme prit les deux hommes et les cacha, et elle dit: il est vrai que ces hommes sont arrivés chez moi, mais je ne savais pas d'où ils étaient. Et comme la porte a dû se fermer la nuit, ces hommes sont sortis. J'ignore où ils sont allés. Hâtez-vous de les poursuivre et vous les atteindrez. Elle les avait fait monter sur le toit et les avait cachés sous des tiges de lin qu'elle avait arrangé sur le toit. Ces gens les poursuivirent par le chemin qui mène au gué du Jourdain, et l'on ferma la porte après qu'ils furent sortis. Avant que les espions se couchassent, Rahab monta vers eux sur le toit et leur dit: l'Éternel, je le sais, vous a donné ce pays. La terreur que vous inspirez nous a saisis, et tous les habitants du pays tremblent devant vous. Car nous avons appris comment, à votre sortie d'Égypte, l'Éternel a mis à sec devant vous les eaux de la mer Rouge, et comment vous avez traité les deux rois des Amoréens au-delà du Jourdain, Sihon et Og, que vous avez dévoués par interdit. Nous l'avons appris et nous avons perdu courage, et tous nos esprits sont abattus à votre aspect, car c'est l'Éternel, votre Dieu, qui est Dieu en haut, dans les cieux et en bas sur la terre. Et maintenant, je vous prie, jurez-moi par l'Éternel que vous aurez pour la maison de mon père la même bonté que j'ai eue pour vous. Donnez-moi l'assurance que vous laisserez vivre mon père, ma mère, mes frères, mes sœurs et tous ceux qui leur appartiennent, et que vous nous sauverez de la mort. Ces hommes lui répondirent: nous sommes prêts à mourir pour vous, si vous ne divulguez pas ce qui nous concerne. Et quand l'Éternel nous donnera le pays, nous agirons envers toi avec bonté et fidélité. Elle les fit descendre avec une corde par la fenêtre,
car la maison qu'elle habitait était sur la muraille de la ville. Elle leur dit, « Allez du côté de la montagne, de peur que ceux qui vous poursuivent ne vous rencontrent. Cachez-vous là pendant 3 jours, jusqu'à ce qu'ils soient de retour. Après cela, vous suivrez votre chemin. » Ces hommes lui dirent, « Voici de quelle manière nous serons quittes du serment que tu nous as fait faire. À notre entrée dans le pays, attache ce cordon de fil cramoisi à la fenêtre par laquelle tu nous fais descendre et recueille auprès de toi de la maison ton père, ta mère, tes frères et toute la famille de ton père. Si quelqu'un de sort de la porte de ta maison pour aller dehors, son sang retombera sur sa tête et nous en serons innocents. Mais si on met la main sur l'un quelconque de ceux qui seront avec toi dans la maison, son sang retombera sur notre tête. Et si tu divulgues ce qui nous concerne, nous serons quittes du serment que tu nous as fait faire. » Elle répondit, « Qu'il en soit selon vos paroles. » Elle prit ainsi congé d'eux et ils s'en allèrent. Et elle attacha le cordon de cramoisi à la fenêtre. Ils partirent et arrivèrent à la montagne où ils restèrent 3 jours, jusqu'à ce que ceux qui les poursuivaient fussent de retour. Ceux qui les poursuivaient les cherchèrent partout le chemin, mais ils ne les trouvèrent pas. Les deux hommes s'en retournèrent, descendirent de la montagne et passèrent le Jourdain. Ils vinrent auprès de Josué, fils de Nun, et lui racontèrent tout ce qui leur était arrivé. Ils dirent à Josué, « Certainement, l'Éternel a livré tout le pays entre nos mains, et même tous les habitants du pays tremblent devant nous. » Josué, chapitre 3. Passage du Jourdain. Josué s'étant levé de bon matin, partit de Sittim avec tous les enfants d'Israël, ils arrivèrent au Jourdain, et là, ils passèrent la nuit avant de le traverser. Au bout de 3 jours, les officiers parcoururent le camp et donnèrent cet ordre au peuple. Lorsque vous verrez l'arche de l'Alliance de l'Éternel, votre Dieu, portée par les sacrificateurs, les Lévites, vous partirez du lieu où vous êtes et vous vous mettrez en marche après elle. Mais il y aura entre vous et elle une distance d'environ 2000 coudées. N'en approchez pas. Elle vous montrera le chemin que vous devez suivre, car vous n'avez point encore passé par ce chemin. Josué dit au peuple, « Sanctifiez-vous, car demain l'Éternel fera des prodiges au milieu de vous. » Et Josué dit au sacrificateur, « Portez l'arche de l'Alliance et passez devant le peuple. » Ils portèrent l'arche de l'Alliance et ils marchèrent devant le peuple. L'Éternel dit à Josué, « Aujourd'hui, je commencerai à t'élever aux yeux de tout Israël, afin qu'ils sachent que je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Tu donneras cet ordre aux sacrificateurs qui portent l'arche de l'Alliance. Lorsque vous arriverez au bord des eaux du Jourdain, vous vous arrêterez dans le Jourdain. » Josué dit aux enfants d'Israël, « Approchez et écoutez les paroles de l'Éternel votre Dieu. » Josué dit, « À ceci vous reconnaîtrez que le Dieu vivant est au milieu de vous, et qu'il chassera devant vous les Cananéens, les Étiens, les Éviens, les Phérésiens, les Guirgasiens, les Amoréens et les Jébusiens. Voici, l'arche de l'Alliance du Seigneur de toute la terre va passer devant vous dans le Jourdain. Maintenant, prenez 12 hommes parmi les tribus d'Israël, un homme de chaque tribu. Et dès que les sacrificateurs qui portent l'arche de l'Alliance, l'arche de l'Éternel, le Seigneur de toute la terre, poseront la plante des pieds dans les eaux du Jourdain. Les eaux du Jourdain seront coupées, les eaux qui descendent d'en haut et elles s'arrêteront en un monceau. Le peuple sortit de cette tente pour passer le Jourdain, et les sacrificateurs qui portaient l'arche de l'Alliance marchèrent devant le peuple. Quand les sacrificateurs qui portaient l'arche furent arrivés au Jourdain, et que leurs pieds se furent mouillés au bord de l'eau, le Jourdain aux gorges par-dessus toutes ses rives, tout le temps de la moisson. Les eaux qui descendent d'en haut s'arrêtèrent et s'élevèrent en un monceau,
et une très grande distance près de la ville d'Adam, qui est à côté de Tsartan. Et celles qui descendaient vers la mer de la plaine, la mer salée, furent complètement coupées. Le peuple passa vis-à-vis de Jéricho. Les sacrificateurs qui portaient l'arche de l'Alliance de l'Éternel s'arrêtèrent de pied ferme sur le sec, au milieu du Jourdain, pendant que tout Israël passait à sec, jusqu'à ce que toute la nation eût achevé de passer le Jourdain. Prophétie contre la Syrie. Ésaïe chapitre 18. Terre où retentit le cliquetis des armes au-delà des fleuves de l'Éthiopie. Toi qui envoies sur mer des messagers dans des navires de gens voguant à la surface des eaux. Allez, messagers rapides vers la nation forte et vigoureuse. Vers ce peuple redoutable depuis qu'il existe, nation puissante et qui écrase tout, et dont le pays est coupé par des fleuves. Vous tous, habitants du monde, habitants de la terre, voyez la bannière qui se dresse sur les montagnes. Écoutez la trompette qui sonne. Car ainsi m'a parlé l'Éternel. Je regarde tranquillement de ma demeure, par la chaleur brillante de la lumière et par la vapeur de la rosée, au temps de la chaude moisson. Mais avant la moisson, quand la pousse est achevée, quand la fleur devient un raisin qui mûrit, il coupe les sarments avec des serpes, il enlève, il tranche les cèpes. Ils seront tous abandonnés aux oiseaux de des montagnes et aux bêtes de la terre. Les oiseaux de proie passeront l'été sur leurs cadavres et les bêtes de la terre y passeront l'hiver. En ce temps-là, des offrandes seront apportées à l'Éternel des armées. Par le peuple fort et vigoureux, par le peuple redoutable depuis qu'il existe, nation puissante et qui écrase tout, et dont le pays est coupé par des fleuves. Ils seront apportés là où réside le nom de l'Éternel des armées, sur la montagne de Sion. Amen. Ésaïe chapitre 19. Le sort de l'Égypte. Oracle sur l'Égypte. Voici. L'Éternel est monté sur une nuée rapide, il vient en Égypte, et les idoles de l'Égypte tremblent devant lui, et le cœur des Égyptiens tombe en défaillance. J'armerai l'Égyptien contre l'Égyptien, et l'on se battra frère contre frère, ami contre ami, ville contre ville, royaume contre royaume. L'Esprit de l'Éternel disparaîtra du milieu d'elle, et j'anéantirai son conseil. On consultera les idoles et les enchanteurs, ceux qui évoquent les morts et ceux qui prédisent l'avenir. Et je livrerai l'Égypte entre les mains d'un maître sévère. Un roi cruel dominera sur eux, dit le Seigneur l'Éternel des armées. Les eaux de la mer tariront, le fleuve deviendra sec et aride, les rivières seront infectes, les canaux de l'Égypte seront bas et desséchés, les joncs et les roseaux se flétriront. Ce ne sera que nudité le long du fleuve, à l'embouchure du fleuve. Tout ce qui aura été semé près du fleuve se desséchera, se réduira en poussière et périra. Les pêcheurs gémiront, tous ceux qui jettent l'hameçon dans le fleuve se lamenteront, et ceux qui étendent des filets sur les eaux seront désolés. Ceux qui travaillent le lin peigné et qui tissent des étoffes blanches seront confus.
Les soutiens du pays seront dans l'abattement. Tous les mercenaires auront l'âme attristée. Les princes de Sora ne sont que des insensés. Les sages conseillers de Pharaon forment un conseil stupide. Comment osez-vous dire à Pharaon, « Je suis fils des sages, fils des anciens rois. » Où sont-ils donc tes sages? Qu'ils te fassent des révélations et qu'on apprenne ce que l'Éternel des armées a résolu contre l'Égypte. Les princes de Tsora sont fous. Les princes de Nof sont dans l'illusion. Les chefs des tribus égorent l'Égypte. L'Éternel a répandu au milieu d'elle un esprit de vertige pour qu'il fasse chanceler les Égyptiens dans tous leurs actes comme un homme ivre chancelle en vomissant. Et l'Égypte sera hors d'état de faire ce que font la tête et la queue, la branche, le palmier et le roseau. En ce jour, l'Égypte sera comme des femmes. Elle tremblera et aura peur en voyant s'agiter la main de l'Éternel des armées quand il la lèvera contre elle. Et le pays de Juda sera pour l'Égypte un objet d'effroi. Dès qu'on lui en parlera, elle sera dans l'épouvante à cause de la résolution prise contre elle par l'Éternel des armées. En ce temps-là, il y aura 5 villes au pays d'Égypte qui parleront la langue de Canaan et qui jureront par l'Éternel des armées. L'une d'elles sera appelée ville de la destruction. En ce même temps, il y aura un autel à l'Éternel au milieu du pays d'Égypte et sur la frontière un monument à l'Éternel. Ce sera pour l'Éternel des armées un signe et un témoignage dans le pays d'Égypte. Ils crieront à l'Éternel à cause des oppresseurs et il leur enverra un sauveur et un défenseur pour les délivrer. Et l'Éternel sera connu des Égyptiens et les Égyptiens connaîtront l'Éternel en ce jour-là. Ils feront des sacrifices et des offrandes, ils feront des vœux à l'Éternel et les accompliront. Ainsi, l'Éternel frappera les Égyptiens. Il les frappera, mais il les guérira. Et ils se convertiront à l'Éternel qui les exaucera et les guérira. En ce même temps, il y aura une route d'Égypte en Assyrie. Les Assyriens iront en Égypte et les Égyptiens en Assyrie. Et les Égyptiens avec les Assyriens serviront l'Éternel. En ce même temps, Israël sera lui troisième, uni à l'Égypte et à l'Assyrie. Et ces pays seront l'objet d'une bénédiction. L'Éternel désormais les bénira en disant, « Béni soit l'Égypte, mon peuple, et la Syrie, œuvre de mes mains, et Israël, mon héritage. » Amen. Un Corinthiens, chapitre 4. Ainsi, qu'on nous regarde comme des serviteurs de Christ et des dispensateurs des mystères de Dieu. Du reste, ce qu'on demande des dispensateurs, c'est que chacun soit trouvé fidèle. Pour moi, il m'importe fort peu d'être jugé par vous ou par un tribunal humain. Je ne me juge pas non plus moi-même, car je ne me sens coupable de rien. Mais ce n'est pas pour cela que je suis justifié. Celui qui me juge, c'est le Seigneur. C'est pourquoi ne jugez de rien avant le temps, jusqu'à ce que vienne le Seigneur qui mettra en lumière ce qui est caché dans les ténèbres
et qui manifestera les desseins des cœurs. Alors, chacun recevra de Dieu la louange qui lui sera due. C'est à cause de vous, frères, que j'ai fait de ces choses une application à ma personne et à celle d'Apollos, afin que vous appreniez en nos personnes à ne pas aller au-delà de ce qui est écrit et que nul de vous ne conçoive de l'orgueil en faveur de l'un contre l'autre. Car qui est-ce qui te distingue? Qu'as-tu que tu n'aies pas reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu comme si tu ne l'avais pas reçu? Déjà vous êtes rassasiés, déjà vous êtes riches, sans nous vous avez commencé à régner. Et puissiez-vous régner en effet, afin que nous aussi nous régnions avec vous. Car Dieu, ce me semble, a fait de nous, apôtres, les derniers des hommes, des condamnés à mort en quelque sorte, puisque nous avons été un spectacle au monde, aux anges et aux hommes. Nous sommes fous à cause de Christ, mais vous, vous êtes sages en Christ. Nous sommes faibles, mais vous êtes forts. Vous êtes honorés et nous sommes méprisés. Jusqu'à cette heure, nous souffrons la faim, la soif, la nudité. Nous sommes maltraités, errants ça et là. Nous nous fatiguons à travailler de nos propres mains. Injuriés, nous bénissons. Persécutés, nous supportons. Calomniés, nous parlons avec bonté. Nous sommes devenus comme les balayures du monde, le rebut de tous jusqu'à maintenant. Ce n'est pas pour vous faire honte que j'écris ces choses, mais je vous avertis comme mes enfants bien-aimés. Car quand vous auriez 10 000 maîtres en Christ, vous n'avez cependant pas plusieurs pères, puisque c'est moi qui vous ai engendré en Jésus-Christ par l'Évangile. Je vous en conjure donc, soyez mes imitateurs. Pour cela, je vous ai envoyé Timothée, qui est mon enfant bien-aimé et fidèle dans le Seigneur. Il vous rappellera quelles sont mes voies en Christ, quelle est la manière dont j'enseigne partout dans toutes les églises. Quelques-uns se sont enflés d'orgueil comme si je ne devais pas aller chez vous, mais j'irai bientôt chez vous si c'est la volonté du Seigneur et je connaîtrai non les paroles, mais la puissance de ceux qui se sont enflés. Car le royaume de Dieu ne consiste pas en paroles, mais en puissance. Que voulez-vous? Que j'aille chez vous avec une verge ou avec amour et dans un esprit de douceur? Merci Seigneur de nous donner le discernement dans la lecture de ta parole, que nous y prêtions attention afin d'appliquer notre cœur à la sagesse. Amen. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende, et que celui qui lit fasse attention.